Hello, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, cette semaine je vais vous emmener à Toulouse. Donc je suis partie voir ma soeur et mon beau-frère à Toulouse. C'est la première fois que je vais à Toulouse. Donc les gars, on va passer la semaine ensemble. Là j'ai une semaine, enfin j'ai deux semaines de vacances, mais je viens que pour une semaine. Donc là j'ai fait 4h30 de train. C'était archi long, voire 5h parce qu'il y a eu du retard. De Paris à Toulouse, c'était archi long. Donc les gars, toute la semaine on sera ensemble. Je vais vous faire découvrir Toulouse. Enfin, ils vont me faire découvrir Toulouse. Tu vas regarder un peu. Ah, il me calque l'angima. Donc bref les gars, cette semaine on est grave ensemble. On va découvrir Toulouse. Let's go. Donc là les gars, on va sortir dans un restaurant africain ce soir. Pour ma première soirée, j'ai opté pour cette tenue. J'ai mis une robe léopard comme ça, je la trouve trop belle. C'est une pelletée, elle date un peu celle-là. Voilà, efficace. Et j'ai mis des talons transparents. Ça va avec tout. J'aime trop ma tenue. Voilà, on va bien manger. Donc là, les gars, on est arrivé devant le resto. Il s'appelle comment? Escale des Saveurs. Escale des Saveurs, voilà. C'est un restaurant africain. On va tester ça. J'espère que c'est bon. Oui, c'est bon. Donc les gars, en entrée, on a pris des wings avec une petite sauce tomate. Et en boisson, on a pris des mojitos fruits de la passion. Ça a l'air trop bon. Voilà. En fait, je me suis trompée, c'était pas de la sauce tomate. Hein. Depuis tout à l'heure, ils se foutent de ma gueule, alors que c'est du piment. On trempe dans la sauce. Enfin, dans le piment. Il est bon le poulet. Bien assaisonné. Nos plats qui sont arrivés, moi j'ai pris des brochettes de veau avec des alocos et du riz rouge normalement, mais celle-là c'est de la chiqué, il s'est trompé avec celui de ma soeur. Ma soeur elle a pris du coup de la chiqué qui est dans mon plat, du coup riz rouge, alocos, poisson, c'est quoi ça? C'est du bar, non? Voilà. Et mon beau-frère il a pris un assortiment de, bah, de tous les plats en fait, voilà, ça a l'air bien bon. Bon appétit. Donc là les gars, on se prépare, on va aller manger, on va manger, ensuite on va aller faire un petit peu les magasins. Donc voilà, on va aller manger au centre-ville parce qu'ils sont à 20 minutes du centre-ville. Et là, je me mets comme très léger parce qu'il fait très chaud. Vraiment ce qu'il faut, j'ai juste fait mes sourcils, j'ai mis des faux cils. Regardez comme ils sont incroyables, on dirait des extensions. Là, je vais juste mettre un petit peu de concealer pour cacher mes cernes. Et voilà, c'est tout. Pas trop de maquillage parce que... Ah, Charlotte, là, c'est pour nous tuer. Là, les gars, finalement, on va à la Pizza Pino. Il faut sachez, pour ceux qui ont la ref, la plupart des restos à Toulouse, ils ferment leur cuisine à 15h et ça réouvre à 18h. Hey hey, j'ai jamais vu ça. Non, mais dans le vlog, j'ai jamais... Je vais bien dire, j'ai jamais vu ça. Du coup, là, on va à Pizza Pino. Regardez comment ma soeur elle est fraîche en fait. Non mais qui la peut là? Qui la peut? Beyoncé c'est qui? Là ont été servis. Moi j'ai pris des spaghettis carbonara. Ma soeur elle a pris des tagliatelles aux deux saumons fumés et quoi? Et frais. Et mon beau frère il a pris une entrecôte avec des frites. Voilà, bon app. On a bien mangé, c'était bon. On va faire un petit peu de shopping. Je vais m'acheter des bas, genre short, jupe. Et des petites sandales, des claquettes parce que j'ai pas de claquettes genre. Voilà, c'est parti. Mmh.
Là les gars, si on va à Zara. Donc là les gars, avec ma soeur, on a fait notre petit shopping. On a acheté des sandales à Texto, des petits vêtements à Bershka. Là on va juste faire rembourser une paire de sandales à Zara. On a eu des super bons plans et tout, franchement c'était trop bien. Donc voilà. Ah les gars, on est venu au centre commercial de quoi Lorraine déjà? Blagnac. On va regarder des petits trucs. On a déjà acheté pas mal d'articles là. Il me faut des cyclistes, il me faut des shorts. Enfin bref, j'ai besoin de pas mal de trucs. On va voir ce que c'est. Là les gars, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. On va commencer par Bershka. Donc j'ai acheté ce cargo militaire. Franchement, il est juste trop beau. Regardez comment il fait. Et je le cherchais depuis archi longtemps avec ma soeur. On a pris le même. Il est grave beau, je l'ai pris en taille 40. Il est bien large en bas, j'aime trop. Il est super beau, il fait grave de belles fesses. Il est juste incroyable, genre, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Il est trop beau. C'est une dinguerie comment il est beau, genre. J'ai aussi acheté ce petit haut rose, franchement, il est trop uni comme ça. Il y en a plein, toutes les... enfin, il y a plein de couleurs. 4€, mais il est un peu serré. Par contre, j'ai pris du S, mais... c'est archi serré, j'ai grave galéré à mettre ma grosse tête dedans là, c'était grave dur. Et j'ai pris ce petit short à Bershka en taille 40, il taille super bien par contre, il a un petit peu élastique, il est trop beau. J'aime trop, regardez s'il vous plaît, il rend trop bien genre, je suis trop fan, j'adore vraiment. Et j'ai le même en blanc aussi, donc voilà. Il se présente comme ceci, c'est trop cute, j'aime vraiment trop. Donc là, on va passer à H&M. Les gars, j'ai pris pas mal de bas chez H&M. On va commencer par ce petit short en jean. Franchement, il est juste trop beau. Je l'ai pris en taille 40, mais devinez le prix, s'il vous plaît. Juste devinez. Il m'a coûté 9,99€, donc 10€. Il est juste trop beau. Regardez, s'il vous plaît. Il taille trop bien. J'aime trop. Vraiment, je le trouve incroyable. Genre, vraiment, j'adore. Et voilà. 10€. Trop beau. Nous avons aussi ce short noir à H&M. Je l'ai eu à 5€, s'il vous plaît. Genre vraiment là, j'ai pris les dernières des marques. 5€. Il est trop beau. Mais en fait, le petit problème, c'est que comme vous pouvez le voir, je pense, ça se voit. Je suis archi serrée. Genre, j'ai pris du 38. Je suis hyper serrée. Il n'y avait pas de 40, là je suis c'est un peu juste, c'est vraiment très juste, faut pas trop manger, enfin là mon ventre qui sort déjà, mais sinon franchement, j'aime trop la coupe, je trouve qu'il est vraiment trop beau genre, j'aime trop, donc je sais pas si je le rends ou si je me fais, enfin je sais pas si je le rends ou si je me fais rembourser à l'heure où je vous parle là, mais je sais pas. Je sais pas si je l'échange contre un autre short, mais je me dis, bon, force quand même. Mets un t-shirt long par-dessus, ça passe. On va pas trop voir la brioche, mais c'est vrai que je suis un peu serrée quand même. Je suis un peu serrée, mais je le trouve trop beau, donc j'hésite à le garder. Là, je sais pas. Là, je sais pas encore, mais en tout cas, voilà. 5€, s'il vous plaît. Genre, c'est donné. Il est super mignon. J'ai aussi pris ce petit shorty blanc. Franchement, il est trop mignon. Tu sais, c'est les shorts, franchement, t'es grave bien à l'intérieur. Il te serre pas, tes cuisses collent pas. Et là, je suis trop à l'aise dedans. Je suis vraiment trop à l'aise. J'ai dû le prendre en M, je crois. Hein. Je suis pas sûre. En M, il m'a grave pas coûté cher. Genre, il m'a coûté 5,99€. C'est archi pas cher. Après, moi, comme je vous ai dit, là, je suis vraiment partie aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, on est le 21 juillet. Donc là, vraiment, les dernières démarques de solde et tout, les dernières chances. Et voilà, il est comme ça. J'ai pris le même en noir aussi. Et juste, il est trop bien. T'es trop à l'aise dedans, vraiment. T'es trop à l'aise, t'es pas serré. Hey, t'es trop bien. Et ça j'aime trop, vraiment, j'aime trop. Hyper à l'aise. On adore. Et j'ai pris le même en noir. Bien évidemment, j'ai pris ce cycliste en gris. Je l'ai pris en gris, en crème et en noir, taille S. Efficace, franchement, rien d'autre à dire que l'efficacité. Les cyclistes, franchement, tout le monde devrait avoir ça dans sa garde-robe. C'est juste la base, en fait. Ça se porte avec tout, ça se marie avec tout. En termes de t-shirt et tout, franchement, j'aime trop taille haute comme ça. Il fait un beau corps, il pose bien tes formes. Franchement, rien à dire, j'aime bien. Et moi, franchement, quand j'aime un truc, je le prends en toutes les couleurs. Là, mes shorts, je les ai en plusieurs couleurs. Mes cyclistes, je les ai en plusieurs couleurs. Enfin bref, franchement, il faut doser. Mais j'aime trop. Voilà. Il est trop mignon.
J'aime beaucoup. En termes de vêtements, pour terminer, voilà, j'ai pris un petit pantalon comme ça, évasé un peu en bas, noir, basique, voilà, simple. Franchement, il n'y a rien à dire dessus, t'es bien, il est ample. Et voilà quoi, t'as à l'aise dedans. Donc là, les gars, on va passer aux chaussures parce que j'ai acheté des sandales. Franchement, trop mignonnes que je vais vous montrer tout de suite. J'ai pris ces petites claquettes chez Texto. Franchement, je les trouve trop mignonnes. Elles sont marron comme ça, marron crème avec des petits clous. Franchement, elles sont trop choues. Taille 37, j'ai pris. Elles étaient à moins 40% de base. Elles étaient à 50 euros. Mais j'en ai eu pour 30 euros, genre un truc comme ça. 30-35 euros, vraiment pas plus. Trop mignonne, en plus c'est du vrai cuir et tout. Voilà l'autre paire. Elles sont juste trop trop belles portées. Franchement elles sont trop cute genre. Et pour l'été bah c'est juste parfait en fait. Et enfin les gars, pour terminer, c'est mon mini haul. On finit avec ces sandales à plateforme noire. Je les trouve juste trop trop belles. Vraiment mon coup de cœur. Je les ai eu à 35 euros au lieu de 70-50%. C'est du vrai cuir. Mais je les trouve vraiment magnifiques, genre j'aime trop, c'est trop ma cam ce genre de sandales. Donc voilà les gars, hein, c'est tout ce que je vous ai acheté aujourd'hui, enfin c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, je vous ai tout montré. Mon petit shopping, franchement ça m'a fait trop plaisir, j'avais grave besoin de bas, j'avais grave besoin de sandales et là franchement je suis refaite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui au programme, on va aller à la Watch, c'est un cours d'eau vers Toulouse et tout, jamais vu, donc voilà on va y aller. Tenue, maillot de bain exige, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est parti. Lorraine. Arrête ça, Lorraine. Donc là, mon frère, il tape l'eau. Outfit d'aujourd'hui qui, bon, qui n'est pas vraiment outfit, j'ai juste mis mon maillot de bain, j'ai mis mon bala, voilà. J'ai mis mon cycliste gris. Là, je suis équipée. Oh. Donc voilà, c'est parti. Les gars, on est bientôt arrivés sur le cours d'eau. On marche. Évidemment, ces incapables, ils me laissent porter la glacière. Elle fait 90 kilos. Tout le monde s'en fout de ma vie. J'ai un blog à tourner, un vlog, mais c'est pas grave. Ma soeur, elle a rien, elle veut même pas porter le sac. Bon, mon beau-frère, il a déjà un sac, je comprends. Je suis outrée par leur comportement puéril. Mais sinon, en vrai, c'est super beau. Genre là où on est passé, il y avait des fleurs, des tournesols. Franchement, c'est grave un bon spot pour faire des photos. Mais voilà, on avance. Regardez. Ah ! Le chemin qui nous emmène vers l'eau. Ça fait très Indiana Jones. Koh Lanta. Toun 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 toun. Ah ah. Oh j'adore. La vibe et tout. Oh j'aime trop. J'aime bien. Ça change putain. On marche sur des pierres avec nos nouvelles claquettes. Non, mais je te jure. Franchement, c'est pas du tout, du tout adéquate. J'ai la rage. Un de mes clous va partir. Franchement, là, je suis énervée. Je suis colère. Vous m'arrivez. L'heure est revenue. Oh là là. L'heure est revenue. Donc voilà, nous y sommes sur la rivière. C'est une rivière, ouais. Non. Je brûle. On arrête tout. Ah, 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 ah.
Alors voilà. Ce bourreau. Romy. Apprenti aventurier. Qui essaye de faire du feu à l'aide de pierre. Reportage. Je vais essayer de faire une sortie sexy, ok? Tu rentres dans l'eau? Beyoncé! Baby, c'est moi qui want gonna see you in the battle land the one. J'ai tout gâté! Maintenant, faut se relever! À l'aide! Les gars, là on se prépare pour aller manger dans un resto chicha. Sur Toulouse, il s'appelle le Mood. Donc voilà mon outfit. Donc un haut Bershka, pantalon Bershka. Regardez comment il taille, s'il vous plaît. Il est trop beau, genre. Magnifique. Trop, trop beau, j'aime trop. Avec mes talons transparents, je trouve qu'il fait grave habillé. Je suis totalement fan. Et ma soeur, elle a porté une robe. C'est quoi ta robe? C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il vient d'où? Chez Zara. Zara, avec des talons. Je crois que ceux-là, ils viennent de chez Asos. Voilà, nos petits looks pour sortir. On va bien manger, j'ai trop hâte de voir. Qu'est-ce que tu fais? Et tu me disais, je vais te... Salut mannequin, mannequin sans force. Et ah, t'as kiffé la dégaine. Kiffé la dégaine. Mannequin, mannequin. Chris Brown, wesh. Vas-y. Ouvrez la pote. T'es mal les tatoues. Donc les gars, on a été servi. Moi j'ai pris un burger avec une salade. Ma soeur elle a pris pareil. Mon beau-frère elle a pris burger avec frites. On a nos chichas là. Et voilà. Donc les gars là on a changé d'endroit. On est parti au Mid. C'est un bar ambiance et tout sur Toulouse. Et pour la chicha d'avant, franchement, les burgers, rien à dire, c'était archi bon. Juste le DJ un peu éclaté, franchement, il était tout très grand, donc je comprends. On a changé d'endroit et là, on est dans un bar ambiant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, au programme, aujourd'hui on va aller manger là, il est 15h, on va aller manger au centre-ville. Donc je me prépare, pour ceux qui ont remarqué, j'ai changé de coupe. Je pouvais plus de mes nattes collées là, je pouvais plus me voir, enfin j'ai refait de nattes collées. Voilà, un petit truc mignon, je voulais un truc vraiment vite fait, genre pas trop longtemps et tout, je voulais vraiment un truc rapide, donc voilà. Là je me maquille en deux spies, je fais juste mes sourcils, je vais mettre un peu d'anti-cerne et de faux cils et après on va y aller, hein, parce qu'on attend comme moi là. Outfit du jour, donc j'ai pris ce petit haut à lacets, il est trop trop beau je trouve. Blanc de chez AliExpress, il date, ça fait au moins 2 ans que je l'ai acheté. Mon short noir Bershka, des petites claquettes blanches, voilà, j'aime bien, c'est sympa. Donc là les gars, changement de programme, on va dans une sorte de parc aquatique. Donc voilà, ça va nous faire du bien, il fait hyper chaud là aujourd'hui, il fait 38 degrés. Donc voilà, c'est parti. Donc là on est arrivé. Là c'est la partie piscine, il y a une piscine intérieure et extérieure. Et après dehors t'as les bains et toboggans et tout. Là ça. Il y a plusieurs bassins, là on est à l'extérieur, il y a le bassin à l'intérieur, c'est trop trop beau, c'est trop bien, et il y a grave une autre activité franchement. Le petit aqua boulevard là, franchement il est pas mal, hein. Il est grave bien, t'as plein de trucs à faire et tout pour les enfants, pour les adultes, et franchement c'est trop bien, c'est une bonne petite sortie en famille, entre potes, donc vraiment à faire quoi. Là on va aller manger, on a archi faim, on est resté 2 heures ici quand même, ça commence à creuser là.
Donc les gars, on est dans un restaurant qui s'appelle Les Américains au centre de Toulouse. Moi, je pense que je vais partir sur un burger frites maison et frites maison. Je pense que je vais prendre le Sharon Stone, donc il y a du steak, du bacon, du cheddar, des oignons frais et une sauce barbecue. Je pense que je vais plus partir sur ça. Mais sauf que j'hésite aussi avec le Marilyn Monroe, il y a du steak bacon, c'est toujours la même formule. Sauf que là en plus il y a des cornichons, ketchup et une sauce sweet mustard. Je pense que c'est de la sauce à la moutarde. Voilà, donc je ne sais pas. I don't know. Je sais pas quoi choisir. Donc les gars, ouais, regardez mon gros burger. Du coup j'ai pris le Sharon Stone finalement. Il a l'air délicieux. My G. Là j'ai pris un cocktail Sex on the Beach sans alcool évidemment. Mon beau-frère il a pris des moules, ça me dégoûte, ça pue en plus, j'ai jamais goûté mais ça a l'air dégueulasse. Ma soeur elle a pris le même que moi sauf qu'elle a pris en double, vas-tu assumer, on va voir à la fin. Voilà, bon appétit. Donc là les gars on va dans un rooftop avec de la musique. Comme vous pouvez voir à ma tête. T'as rien fait. Enfin oui c'est vrai, je n'ai rien fait. Donc là je me charge mon frère oui c'est pareil oui bon Rominger et Lorraine, ils ont tout fait. Franchement j'ai servi à rien à part dormir comme une grosse vache. Là je l'avoue, je leur donne tout le mérite. Ils ont fait un petit barbecue que je vais vous montrer tout à l'heure. Moi je m'occupe d'éplucher les oignons, la pire tâche du monde entier. Je pense que franchement il y a volonté de me nuire et qu'ils m'aiment pas. Mais voilà, je découpe les oignons. Là, on va manger à checker. Il y a le poulet qui nous attend. Il y a les tranches de bacon. Vous allez voir. Et c'est la même chose. Laisse-moi. Toi, je commence pas à niquer mon truc, toi. Mais non. Ça, c'était pour Rominger. Fallait laisser en long. C'est pas grave. Tant pis. Je pleure même pas pour l'instant. Hihi. Ça, quand tu pleures plus en découpant les oignons, c'est que vraiment t'es quelqu'un, t'es une vraie femme, vrai go. On va faire un buffet. Ça c'est ce qu'on appelle femme africaine. Hey. Regardez comment elle tourne à checker avec brio. Donc Rominger, il va nous préparer la sauce de la checker, c'est de la sauce blanche. Franchement j'ai vraiment hâte de goûter ça. Tu peux faire au moins seulement être à l'aise devant la caméra. Nous avons ici des tranches de porc. Elle nous file pour sa communauté. Exactement. Souris. Donc les gars, voici notre table finale, s'il vous plaît. Mais regardez ça. Ça a l'air délicieux. Donc ici, nous avons des côtes de porc. Miam, miam, miam. Nous avons des tranches de porc. Du poulet fait au barbecue. Bissap oblige, hein. Petit eau glacée, léger pour le goût. Et là, à checker, on va tabasser ça. Hein. Waouh, vous savez même pas. Et on va mettre la Casa des Papels parce qu'ils n'ont jamais regardé la Casa des Papels. C'est scandaleux. Donc voilà. Bon appétit. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Je prends mon train à 18h. Je suis dégoûtée de rentrer vraiment. Et Toulouse, j'aimais trop. Ça m'a fait trop du bien de passer du temps en famille, avec ma soeur et mon beau-frère. Franchement, c'était trop bien. J'ai passé une semaine de folie. Je me suis trop bien amusée. Je me suis reposée. Franchement, ils m'ont traitée comme une princesse. Et c'était trop bien. Là, je vais rentrer. Je vais reprendre le travail. Carrefour, ah, cette vue-là, c'est plus fait pour moi. Je peux plus. Je ne peux plus. Mais bon, le seul truc bien, c'est que je repars en vacances à Chypre. Dans même pas deux semaines. Donc, ça va, tu vois. C'est ça qui me...
qui me remotive un peu. Mais en tout cas, voilà, là, c'est mon dernier jour et je suis dégoûtée. Bon, bah voilà, les gars, pour moi, le vlog est terminé. Je suis bien arrivée à la maison. Une amie à moi, elle est venue me chercher à la gare. Elle m'a déposé. Donc, les gars, le vlog est fini. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé passer une semaine avec moi à Toulouse. En tout cas, moi, j'ai trop kiffé. Et ça m'a fait vraiment du bien de changer d'air. Je vous jure, j'en avais besoin. Je n'en pouvais plus de cette vie que j'avais, de cette routine, de ce taf. Et ça fait 3 ans que je travaille à Carrefour. Là, vraiment, je suis à bout. Je suis à bout. Là, rien que de savoir que je vais reprendre le travail lundi, je suis à ça de chialer. Mais bon, je me dis que c'est pas grave. Dans tous les cas, je repars à Chypre dans 2 semaines. C'est juste ça, ma seule motivation. Parce que sinon, vraiment, il n'y a rien qui me... Il n'y a rien qui peut me consoler à part ça. Mais en tout cas, les gars, franchement, prenez du temps pour vous. Allez voir vos familles. Franchement, changez d'air. Parce que si vous en pouvez vraiment plus de vos vies, franchement, quittez. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter ma vidéo. C'est terminé et on se donne rendez-vous, les gars, pour un prochain vlog qui se passera à Chypre. Bisous.